ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد الحمد لله إخوة الإيمان وأخواتي frères et mes sœurs nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de se réunir dans ces assises de rappel de ilm et de dhikr que les anges couvrent de leurs ailes et Allah ta'ala parle de nous. هذه نعمة من الله سين نعمة الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Par la grâce d'Allah سبحانه وتعالى, maintenant cela fait un an et demi, peut-être presque un an et demi, bientôt deux ans, que on a commencé à expliquer ce livre, ce petit épître. Mais bon, comme on s'était pas toutes les semaines. Hein? Et aujourd'hui, Inch'Allah, on arrive au dernier chapitre. C'est ce livre-là, c'est les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, écrit par Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Dans ce livre, alhamdoulilah, il a parlé des fondements de la croyance des musulmans et des choses de base dans les ablutions, dans les ablutions, dans la salat, dans les actes obligatoires, les piliers, etc., les annulatifs de la salat. Puis après, il a parlé des nobles caractères, toutes les bonnes choses, les nobles caractères. Puis il a parlé des mauvais caractères, et en priorité le shirk, qui est le plus mauvais des mœurs. Puis l'on finit par ce par quoi l'homme finit sa vie, la mort, al-janaza. Et hada, haqiqatan, ça, alhamdulillah, ce tertib, la manière dont le cheikh a fait l'organisation de ce livre, il est très, alhamdulillah, organisé d'une manière logique et claire. Et il a mis réellement dedans, comme il l'a appelé, leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. C'est des choses qui sont accessibles pour tout le monde. Des leçons simples, sans entrer trop dans le détail, en allant droit au but, pour que chacun qui puisse lire cette risala, ce petit épître, il puisse avoir un minimum de base pour pratiquer les choses dont il a besoin tous les jours. Walhamdulillah. Et c'est pour ça qu'on a, c'est pour cela qu'on a choisi d'expliquer cette risala, cette épître. Car il est nécessaire pour tout musulman d'y connaître, de connaître tous ces sujets qui sont cités dans, ce, dans cette épître-là. Al-janaza, le, tout ce qui est lié à la prière, ou bien aux règles funéraires, c'est une ibad, c'est une adoration. Et c'est une sha'ira min sha'a'ir l'islam. C'est un rite apparent, parmi les rites apparents de l'islam. Et chaque millah, chaque religion, a ses propres adorations. De même que l'enterrement, chaque religion a ses propres règles funéraires. Pourquoi je parle de cela? Pour bien expliquer justement que les règles funéraires et les pratiques funéraires, ce sont des actes d'adoration.
et qu'il n'est pas permis, comme dans tout acte d'adoration, comme la salat, comme la zakat, comme le saum, à chacun de faire comme il lui plaît, comme il a envie, comme sa coutume elle lui dit, comme son pays lui dit, comme ses grands-parents faisaient, comme mon ami a fait, là. Comme dans salat, tu apprends comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat, alors aussi, pour tout ce qui concerne laver le défunt, le kafan, l'enterrement, la salat, ce qui se passe après, ce qui se passe avant, tout ça, ça a été légiféré aussi en islam. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Donc, là aussi, il faut apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela, et la mettre en pratique. Et la mettre en pratique. Et vous allez voir, subhanallah, que toute personne qui ouvre les livres des ulama, que ce soit ancien ou contemporain, qui parle d'ahkam al-janaiz et des choses à faire et à ne pas faire, il va trouver que beaucoup de pratiques sont faites autour de nous qui sont contradictoires à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois même des pratiques qui peuvent mener jusqu'au plus grand péché qui sont le shirk. Billah al-azim. Pourquoi aussi je parle de cela? Car comme si nous avons compris que c'est une adoration, que c'est un rite apparent de l'islam, alors de même, il n'est pas permis à un musulman d'aller s'associer aux mécréants dans ce genre de rite. Même si c'est son propre père, ou sa mère, ou son grand-père, ou qui que ce soit. Car Allah tabaraka wa ta'ala a fait les liens entre nous et les kafirines dans dunya des liens matériels seulement, dunyawiyya, pas des liens religieux. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des parents, وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Donc Allah Ta'ala, en parlant de la personne qui a des parents polythéistes, il dit, s'ils te combattent pour que tu me donnes quelconque associé dont tu n'as pas science, فَلَا تُطِعْهُمَا, ne leur obéis pas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, et sois bon envers eux dans le dunya, dans les choses matérielles, halal. Tout ce qui est religieux, on doit complètement se désavouer d'eux. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِي, à vous votre religion, à nous la nôtre. À vous vos rites, à nous les nôtres. Et non pas aller s'associer avec eux dans leurs fêtes, dans leurs fêtes, qu'elles soient religieuses ou habituelles, si c'est des fêtes légiférés qu'ils font chaque année ou chaque moment, ou bien dans leur janaïs, dans leur quand ils enterrent les morts, que ce soit à l'église ou que ce soit même au cimetière, car tout ceci c'est des rites, tout ceci c'est des rites. Et on va voir plus tard, on va en parler inchallah si on n'oublie pas, le seul où on en parle tout de suite, car avant d'oublier, la seule condition, la seule cas où c'est permis, c'est s'il n'y a personne pour enterrer ce kafir. Comme Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, quand Abu Talib est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va enterrer ce mouchrik. Comme ça il lui a dit, va enterrer ce mouchrik et ne fais rien d'autre. Va le mettre sous la terre et ne fais rien d'autre jusqu'à que tu viennes me voir. Donc il a été le mettre sous terre. C'est tout. Aussi à la bataille de Badr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont combattu les Quraysh, et que les têtes et les chefs de Quraysh sont morts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba les ont enterrés. Ils ont fait un fossé, ils les ont enterrés dedans. Donc même un kafir, s'il n'y a personne pour l'enterrer, on l'enterre. Mais c'est tout. On le met juste sous terre. Ni on participe à leur rite, ni on va avec eux. Si par contre il y a quelqu'un parmi eux pour l'enterrer, dans ce cas-là, on ne l'enterre pas. Et on ne participe pas avec eux et on ne va pas à leurs enterrements, et etc. Donc qu'on comprenne bien, il y a une différence fil islam entre l'adat ou l'ibadat, les habitudes et les adorations. L'adat ou l'aslu fiha l'hil, les habitudes, la base c'est que c'est halal, tout est halal, sauf avec une preuve qui dit que c'est haram. Tu veux t'habiller telle couleur, tu veux t'habiller tel tissu, tu veux manger... Mange ce que tu veux, mais ce que tu veux à condition que ce soit halal et permis.
Donc dans les vies, dans la vie, dans le travail, dans le commerce, tout est halal, sauf ce qui a été prouvé que c'est haram. Mais dans l'ibadat, dans les adorations, c'est le contraire. Tout est haram, sauf avec une preuve que c'est légiféré. C'est pour ça qu'on dit l'aslu fil ibadat at-tawakuf. C'est pour ça qu'on dit la base dans les adorations, c'est tawakuf. C'est qu'on ne bouge pas, on ne fait rien. Tawqifiyya. Tawqifi. C'est-à-dire que c'est déterminé. Fahakada, on voit aussi que tout ce qui est funéraire, c'est min akhassi khassa ici, al-adiyan. On voit bien que chaque religion, chaque croyance a une manière différente de faire leurs règles funéraires. Regardez, dans toutes les époques, dans tous les siècles, dans toutes les millas, même avant, chacun avait, les vikings, ils ont une manière d'enterrer leurs morts, les hindous, les bouddhistes, les chrétiens, les juifs, chacun a des règles différentes. Même les communistes, même les athées, chacun, il a une manière précise de, selon ses convictions, selon ses croyances, de faire des rites et des manières. Même les communistes qui ont pas voulu, qui ont voulu éteindre toutes les religions, au bout du compte, ils ont fait un rite autour de leur personnalité et l'ont enterré comme une divinité. Donc même eux, ils ont fait des rites. On peut pas échapper à ça. Et donc, si on a compris cela, barakallahu fikoum, il n'est pas permis à un musulman de se lier ou de participer au rite des kafirines. Ça, c'est min al-mu'alat al-manhiya. Ça fait partie de l'alliance interdite. Ce qui est permis, at-ta'amul ma'ahum. Nata'amalu ma'ahum. On travaille avec eux, on vend, on achète, on est bon. Le voisinage, les relations de voisinage, les relations de travail, les relations al-muhim, toutes les relations humaines qui peuvent exister, on le fait billati hiya ahsan. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah ne vous a pas interdit d'être bon avec ceux qui ne vont combattre pas pour votre religion et qui ne vous ont pas exilé de vos maisons, d'être bon avec eux et d'être juste avec eux. إن الله يحب المقسطين. Allah aime les gens justes. Donc ça, c'est une introduction importante que je voulais, nous, cela nous concerne directement. Car nous vivons dans un pays avec des non-musulmans. Certains d'entre nous ont de la famille qui ne sont pas musulmans. Donc c'est des règles qui sont nécessaires à connaître car on va être amené à les pratiquer, ces règles-là. Souvent on a des amis, par exemple, des amis, ou on va dire des voisins ou des gens avec qui on travaille, des collègues de travail ou des collègues ou des voisins ou des gens de la famille qui ne sont pas musulmans, qui nous invitent par exemple à certaines de leurs fêtes, qui nous invitent à certains de leurs rites. Et alors, il faut savoir ces choses-là pour savoir comment le musulman doit agir dans ces moments-là. Barakallahu fikum. La bonté envers eux et la justice, elle ne se manifeste pas en participant. Car si tu participes à des rites religieux ou même idéologiques, parce que parfois c'est pas religieux, mais c'est idéologique. Il y en a, leur religion, c'est une idéologie. C'est l'iqrar. Ça veut dire que tu approuves cela. Sauf si tu viens pour dire que c'est faux. Mais tu vas pas y aller gâcher leur fête et leur faire la guerre. Leur dire tout ça c'est faux, ça c'est haram, vous êtes des shayatim. Donc n'y va pas, ça va aller plus vite. En plus c'est pas comme ça que tu vas faire la da'wah. La da'wah, tu vas devoir le parler à ceux qui sont proches de toi, un par un, leur expliquer. Hakada. Na'am. Tayyib. En ce qui concerne les règles funéraires, ça commence par tajhiz al-mayyit. Wassalatu alayhi. La préparation du défunt et la prière funéraire sur lui. Comment elle se passe? Donc, on va lire les paroles de Cheikh Ibn Baz et on va donner quelques petites précisions sur certains points, inshallah. Quand il a dit, إِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ أَوْ إِذَا تَيَقَّنَ مَوْتُهُ أَغْمَضَتْ عَيْنَاهُ وَشُدَّ لِحْيَاهُ. Donc la première chose, إِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ أَوْ تَيَقَّنَ مَوْتُهُ. Quand on est sûr qu'il est mort. Donc la première règle, il faut être sûr qu'il est mort. On ne va pas commencer à pratiquer les règles funéraires sur quelqu'un dont on n'est pas sûr de sa mort. Donc on doit se garantir et se certifier que cette personne, elle est bel et bien morte. Premièrement. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme ses yeux. Et on attache l'ihyahu, c'est-à-dire sa mâchoire. On la laisse pas ouverte.
on met quelque chose pour attacher sa mâchoire, pour fermer sa mâchoire. Voilà, ou un bandeau, on l'attache. Ça, c'est la première des choses. Puis après, il a parlé de la, quand on passe au lavage mortuaire. Première des choses, quand on passe au lavage mortuaire, on ne le lave pas tout nu comme ça. On cache sa nudité. C'est parti, par exemple, pour un homme, entre le nombril et les genoux, on met quelque chose pour ne pas regarder sa nudité. Et on le lève un petit peu, on le lève un petit peu derrière le dos et on appuie doucement sur son ventre. Pourquoi on fait cela ? S'il lui reste quelque chose de saleté, d'excréments, etc. dans le ventre, il part. On peut le laver. On l'enlève. Donc on le lève un petit peu et on appuie doucement sur son ventre jusqu'à vider ce qu'il y a dans, dans son ventre. Hein ? Doucement, bien sûr. Puis, celui qui lave le défunt, il met quelque chose sur sa main, ou un tissu, ou quoi que ce soit, ou un gant de toilette, par exemple. Hein, s'il va laver les parties, etc., il le fait avec la main gauche. Il met des gants de toilette sur la main gauche, et il nettoie ses parties. Il nettoie ses parties. Avec de l'eau, ça peut se faire avec un jet, et puis avec la main, avec un gant, jamais directement. Il nettoie bien les parties. Ça, c'est le premier pas. Puis, il lui fait les ablutions comme les ablutions pour la salat. Il lui fait les ablutions comme les ablutions pour la salat. Puis, il lave sa tête, sa barbe, si c'est un homme, avec de l'eau et du cidre. Ou bien du savon. C'est-à-dire, avant, ils utilisaient le cidre comme le savon. Donc on peut laver sa tête, sa barbe avec de l'eau et du savon. Et faire d'ailleurs le premier lavage avec de l'eau et du savon. Il n'y a pas de mal, c'est même sunna du prophète alayhi salam. Avant ils utilisaient le cidre comme je vous ai dit comme du savon, comme du savon. Puis on lui lave la main, le côté droit de son corps, puis on lui lave le côté gauche de son corps. Et on recommence une deuxième fois de la même manière. Et on recommence une troisième fois de la même manière. Trois fois, c'est le minimum. Et la troisième fois, c'est mieux d'utiliser que de l'eau. Parce qu'on va pas le laisser avec de l'eau et du savon. De l'eau ou bien de l'eau avec du camphre ou un parfum. De l'eau parfumée. Même avec de la rose ou quoi que ce soit. Utiliser le dernier lavage, en fait, utiliser de l'eau parfumée. De l'eau parfumée, comme ça a été rapporté dans les hadiths qu'ils utilisaient du camphre dans le dernier lavage. Trois fois, ou cinq fois, ou sept fois, ou neuf fois, ou onze fois, un nombre impair. Si on sait que c'est pas, si on voit que ce n'est pas suffisant de le laver trois fois, on rajoute. Mais on fait toujours un lavage d'un nombre impair, d'un nombre impair. Non. Et à chaque fois qu'il le lave, à chaque fois qu'il le lave, il repasse sa main doucement sur son ventre. Si il y a encore de la saleté qui sort, il le lave. Si cette saleté ne veut pas s'arrêter, il lui est permis de mettre un coton. Ou même d'utiliser des moyens modernes comme mettre du scotch médical avec le coton pour tenir pour que la saleté elle arrête de sortir. Puis les savants ont divergé, est-ce qu'à partir de ce moment-là, il faudra lui refaire le dos ou bien le roussel, ou bien on n'a rien à faire, juste nettoyer l'impureté. Parce qu'il est mort. Est-ce que le fait que des impuretés sortent pour lui, c'est, ça lui rompt ses ablutions ou non? Donc les savants ont divergé sur ce sujet. Et Cheikh Ibn Baz, lui, il dit qu'on le, on refait faire juste ses ablutions. On lui refait faire juste les ablutions s'il y a des impuretés qui sont sorties. Là. Donc, on a parlé du nombre de lavages, que si 3, ça suffit pas, on peut faire 5, on peut faire 7, on peut faire 5 ou 7. Après cela,
on peut lui mettre du parfum dans les endroits, dans les membres de prosternation et dans les articulations, ou bien même, c'est encore mieux, le parfumer tout son corps. Parfumer tout son corps. Et le kafan, après on va parler du kafan, le kafan c'est le linceul. C'est une bonne chose de l'imbiber de bakhour, d'encens. Donc si on a de l'encens, c'est-à-dire la fumée de l'encens, elle rentre dans le kafan et elle laisse une bonne odeur. En fait, de parfumer le kafan. De parfumer les trois tissus du kafan. Si sa moustache et ses ongles étaient longs, alors on lui coupera la moustache et on lui coupera ses ongles. On lui coupera la moustache et on lui coupera ses ongles. Si c'est une femme, pour la laver, si elle a des nattes, on lui défait ses nattes, on la lave bien et on refait trois nattes, on les met en arrière. Trois nattes et on les met en arrière. Si c'est un homme, il n'y a pas besoin de le coiffer, on peut juste le coiffer ou bien laisser comme cela, on le mettra dans le kafan. Non. Ça, c'est en ce qui concerne la préparation avant le kafan, avant le tekfin. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait un résumé. Et c'est comme ça que le cheikh l'a présenté. Comme on a dit, c'est les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Il faut rester résumé et clair, simple. Maintenant, tous ceux qui voudront plus de détails avec l'adilla, ils reviennent à tous les livres de fiqh. Même en français, ça a été traduit, je crois, le livre Ahkam al-Janaïs de Cheikh Al-Albani. Il est détaillé, ramène l'ahadith. Il y a d'autres livres sûrement en français sur Ahkam al-Janaïs qui ont été traduits. Vous pourrez y retourner, Inch'Allah, pour ceux qui veulent beaucoup plus de détails. Est-ce que jusque-là, c'est clair? On va faire pas à pas. Si c'est clair, est-ce qu'il y a des questions pour cette étape-là? Non? Tayyib. La deuxième étape, c'est at-takfin. Le fait de lui mettre le linceul. La meilleure des choses, c'est que l'homme, on lui met trois morceaux de tissu blanc. Pour la femme, il y a divergence. Certains ils disent cinq. Certains disent qu'il n'y a aucun dalil, aucune preuve qui montre qu'il y a une différence entre l'homme et la femme dans le nombre de tissus. Alors ce sera comme l'homme, trois tissus. Blanc. Il n'y a pas de mal, si on ne le trouve pas, ou s'il n'y a que cela, de l'enterrer dans un seul tissu, à partir du moment où il couvre tout le corps. À partir du moment où il couvre tout le corps, il n'y a pas de mal. Mais la sunna, c'est de l'enterrer dans trois tissus blancs. Trois tissus blancs. Il n'y a pas de mal aussi, comme ça a été rapporté, si quelqu'un est enterré dans un izar, un kamis, plus un voile, un dernier tissu qui vient recouvrir le corps en entier. Cela est permis, mais la sunna, le mieux, c'est trois tissus, plutôt que de faire cela. Non. Par contre, il est détestable et interdit de faire du gaspillage dans le kafan, dans le linceul, et même dans l'enterrement en général. Par exemple, acheter du tissu de trop haute qualité, cher. Comme il a dit Abou Bakr, c'est plus utile pour le vivant. C'est du gaspillage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an ida'ati al-mal. Il a interdit de perdre et de gaspiller l'argent. Donc on prend trois tissus en coton simple, blanc, et pas besoin de faire de brodure dessus, de faire des al-muhim. On ne fait aucune dépense surplus. Walhamdulillah. C'est pas parfois certains ils sont pris par les sentiments au moment de la mort. Comme là il est touché par la perte de cette personne, alors il veut en faire plus que les autres, soi-disant pour montrer son amour. Ah, je l'aime beaucoup, alors je vais lui faire une chose que personne n'a faite. Je vais lui faire des draps en or, en faisant ça, tu lui fais plus de mal que de bien, tu perds de l'argent, tu as des péchés et tu ne lui es utile en rien. Si tu l'aimes vraiment cette personne, fais tout l'argent là que tu as dépensé dans le vent, prends-le, donne-le fi sabilillah, à une sadaqa jariya, à une aumône continue, l'intention que la récompense, elle va pour le mort. C'est beaucoup mieux pour lui. Tant que par exemple, une mosquée, une école, tant que les gens y profiteront de ça, lui, il aura des hasanats. Qu'est-ce que tu vas lui faire, des fils d'or ou des tombes en je ne sais quoi? Dépense cet argent dans le khair. Le kafan, normalement aussi, il est pris sur l'héritage que la personne elle a laissé.
les frais d'enterrement, c'est pris sur son argent. Avant de partager, on prend les frais d'enterrement, après on paye les dettes, et après c'est partagé entre les héritiers. C'est comme ça, l'héritage. Non. À moins que quelqu'un veut faire sadaqa, ses enfants ils veulent lui payer, ou quelqu'un d'autre, mais sinon, normalement, on le prend de son argent à lui. Ça fait partie, c'est les dernières dépenses qu'il a à faire. Sa mort, c'est lui qui la paye. Non. Par contre, il n'est pas une sunna de préparer sa tombe à l'avance. Par exemple, d'acheter son kefen, d'acheter sa tombe à l'avance, etc. Non. On laisse ceux qu'on va laisser en héritage, ils vont acheter avec ça les héritiers, inshallah. Hein? On peut leur faire une wasiya. C'est une bonne chose de leur laisser une wasiya, un testament dans lequel on leur dit craignez Allah, patientez, enterrez-moi selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les règles de l'islam, etc. Craignez Allah, on donne des wasaya, des conseils à nos enfants, à nos proches, aux gens qui nous aiment, aux gens avec qui on est resté, si on a des élèves, à nos élèves. Toutes ces choses comme ça, c'est, alhamdoulilah, un dernier message à ces gens-là. وَلَهُ وَقْعٌ فِي الْقُلُوبِ. Et ça a un effet sur les cœurs, surtout quand quelqu'un, tu sais qu'il a pensé à toi au moment, c'est-à-dire, il a pensé à toi même quand il va mourir. Il t'a laissé un conseil pour même après qu'il meure, il t'a laissé une wasiya, un testament pour toi. C'est-à-dire, il a pensé à toi. Les gens, ils donnent une très grande importance à ça. Naam. Et il n'est pas permis de faire une wasiya pour quelque chose de haram, ou pour une bid'a, pour une innovation. Par exemple, si on a un parent, il nous a laissé un testament où il nous demande de faire des choses interdites, où il nous demande de l'intégrer dans une manière interdite. On n'a pas à lui obéir dans cela. Au contraire, on est obligé de lui désobéir dans cela. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance, elle est dans ce qui est convenable. On ne peut pas obéir dans tout. S'il te dit enterre-moi haut de la tour Eiffel, s'il te dit qu'est-ce que tu peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Brûle-moi. Ton père, il te dit brûle-moi. Est-ce que tu vas l'écouter? Si c'est un musulman. Ah, si c'est un musulman, jahil, ignorant. Il t'a dit brûle-moi. Tu vas l'écouter? Non. Même si c'est un kafir, tu l'écoutes pas, tu le brûles pas. Tu l'enterres avec les koufars, point. Non. En ce qui concerne le petit garçon, lui aussi, on peut l'enterrer avec un seul tissu ou trois tissus. Et la petite fille aussi dans trois tissus, comme le petit garçon. Comme le petit garçon. Qui est le plus en droit de laver ce mort-là? Le plus en droit de le laver, c'est celui qui maîtrise le mieux comment le laver. Sauf s'il a fait une wasiya spécifique. Une recommandation. Il a dit, je veux que ce soit un tel qui me lave, par exemple. Alors, dans ce cas-là, il sera prioritaire. Il sera prioritaire. Après cela, si tout le monde maîtrise comment laver et bien faire, alors du plus proche au plus proche. Le père, puis le grand-père, puis du plus proche au plus proche. Toujours les hommes. Pour un homme, c'est les hommes. Pour une femme, c'est les femmes qui lavent. Toujours. Sauf dans un cas, le mari et la femme. Le mari et la femme. Il est permis au mari de laver son épouse et à l'épouse de laver son mari. Abou Bakr Siddiq, il a lavé son épouse. La femme d'Abou Bakr, elle a lavé Abou Bakr. Et Ali ibn Abi Talib, il a lavé Fatima radiallahu anha. Donc il n'y a pas de mal en cela. Mais à part le mari et la femme, il n'est pas permis par exemple à la mère de laver son fils. Ou à la sœur de laver son frère. Sauf s'il n'y a personne. Il l'a indab darura, sauf dans cas de nécessité absolue. Il n'y a personne, il n'y a que la sœur qui peut le laver. Sinon, il ne sera pas lavé. Il va être enterré comme ça. Là, elle le lave, elle le cache, elle le lave. Ou illa, sinon non. C'est les hommes qui lavent les hommes, les femmes qui lavent les femmes, sauf pour le mari et l'épouse. Il est permis à l'épouse et à l'époux de laver l'un l'autre. Donc, on a dit qui est prioritaire pour laver. D'abord, celui qui maîtrise le mieux le lavage. Par contre, si tous ils maîtrisent, elle l'a dit, c'est celui qui a l'wasiya, celui à qui il a voulu le défunt, il a dit, je veux que ce soit un tel qui me lave. S'il n'y a personne, si tout le monde maîtrise comment laver et faire le kafan, alors ce sera le père, puis le grand-père, puis le frère, etc., l'oncle, du plus proche au plus proche chez les hommes. Et chez les femmes, de la même manière. La mère, la grand-mère, la tante maternelle, etc.
نعم. Est-ce qu'il y a des questions sur cela? Donc on a parlé de la préparation du défunt, de comment le laver, de comment lui mettre le linceul, de qui est le plus en droit de le laver. Est-ce qu'il y a des questions sur ça avant qu'on passe au prochain? À chaque petit paragraphe, on fait une petite pause. Tu as parlé de couper les ongles et couper les poils de moustache. Qu'est-ce qu'on fait des ongles et des... Il a dit couper les ongles et couper les poils de la moustache. Qu'est-ce qu'on en fait? On s'en débarrasse, ou on les enterre, ou aujourd'hui, même si on les met à la poubelle, c'est comme si c'était enterré. Il n'y a pas de mal. En fait, les ongles, même ça, c'est dans la vie de tous les jours. Les ongles, tout ce qui sort du corps. Le sang, le placenta, les ongles, la moustache, etc. Ce qui a été rapporté des salafs, c'est qu'ils l'enterraient. Ils l'enterraient sous la terre. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il ne faut pas les laisser... comme ça, disponible à tout le monde. Mais on les enterre aujourd'hui, les mettre à la poubelle, c'est comme les enterrer. Parce qu'on les met sous des choses et par-dessus, il y a d'autres choses qui viennent. Après tout ça, c'est ou brûler ou enterrer. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de mal. Non. Est-ce qu'il y a une autre question sur ce point-là? Non? Alhamdulillah. Quelle heure est-il? On a 20 minutes, Charles, 25 minutes. Ça va. Une fois qu'on a vu tout cela, maintenant on va parler de la manière de faire la prière funéraire. Awalan. Oui, tout à l'heure j'ai oublié de citer certains points. Il y a certaines exceptions sur le kafan, sur le lavage, etc. Par exemple, Shahid al-Ma'raka. Quelqu'un qui meurt, martyr, dans le combat. Celui-là, il est enterré comme il est. Pareil, que celui qui fait le hajj, il est enterré dans ses vêtements du hajj. Quand on parle de hajj, on parle de ihram. L'ihram, celui qui est en ihram, bien sûr, barakallahu fik, oui. Celui qui est en ihram. L'ihram, c'est, vous savez, les deux morceaux de tissu qu'on met, un autour de la taille et un sur le... Et on ne le parfume pas. Comme il est mort en ihram, on le laisse, on le parfume pas. Parce que le muhrim, il doit pas toucher le parfum. Celui-là, le jour du jugement dernier, il va se lever moulabbiyan. Il va se lever en disant, labbayk Allahumma labbayk. Hein, donc, c'est une ni'ma. Qu'Allah Ta'ala nous donne, husn al-khatima. Hein, une bonne fin. De mourir dans une ibad, dans une adoration. Naam. En ce qui concerne salat ala al-mayyit. La prière mortuaire. La prière mortuaire, normalement, elle se fait dans le musalla. Elle peut se faire aussi à la mosquée. Bien que certains madahib yakrahoun adalik, mais sahih, c'est que c'est permis de le faire même à la mosquée, la prière mortuaire. Il y a une divergence sur le fait de prier la prière mortuaire dans le cimetière. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le hadith de Anas ibn Malik, نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي الجنائز بين المقابر أو بين القبور. Donc Anas ibn Malik rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit de prier sur la prière funéraire dans les cimetières. واضح. Donc certains savants voient que c'est interdit. On ne prie pas la prière funéraire dans un cimetière. Même pas si, par exemple, dans un cimetière... Parce que comment on reconnaît un cimetière? Par les murs et la porte. Tout ce qui est à l'intérieur de l'enceinte des murs et de la porte, ça s'appelle le cimetière. Tout ce qui est à l'extérieur de cette enceinte, ce n'est pas le cimetière. Donc, s'ils ont fait dans l'intérieur du cimetière une moussalla, ça reste le cimetière. Il faut que cette moussalla, elle soit à l'extérieur du cimetière. Elle soit séparée par une porte et un mur. Pour ceux qui disent que c'est interdit. Il y a certains savants qui voient que ce n'est pas interdit, que c'est permis. Ils se sont basés sur cela, sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur la femme qui nettoyait la mosquée, et il a prié salat al-janaza sur elle, elle était dans sa tombe. Fi qabriha. Ceux qui ont interdit la prière de al-janaza dans le cimetière, ils ont dit oui, mais ça c'est une hala khassa, al-maqboura, salat ala al-maqbour. Il est permis de prier aussi dans le cimetière,
sur celui qui est sous la, dans la tombe. Mais celui qui n'est pas dans la tombe, on peut le déplacer. Alors que celle qui est dans la tombe, on ne peut pas la déplacer. C'est pour ça qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni sahaba, ils ont fait la prière mortuaire sur quelqu'un qui n'est pas dans sa tombe, dans le cimetière. Donc, Allahu a'lam, il vaut mieux éviter cela pour sortir de khilaf al-ulama. Toujours trouver une solution de ne pas faire salat al-janaza dans un cimetière. Si après c'est une darura, les gens ils l'ont emmené là-bas, il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas le laisser sans salat. Mais sinon, si on est organisateur, si on peut conseiller les gens qui organisent cela, alors on les conseille et on leur dit, on fait pas. Il n'est pas le cimetière, c'est pas un endroit où il est permis de faire salat. Na, barakallahu fikou. Ça, c'est en ce qui concerne l'endroit où on fait salat al-janaza. Maintenant, la manière de faire salat al-janaza. Alors, si c'est un homme, l'imam se tient face à sa tête. Si c'est une femme, il se tient face à son buste. Si il y a des hommes et des femmes qui sont morts, on prie sur eux tous en même temps, on met d'abord les hommes et les garçons enfants, même si c'est des enfants, avant les femmes. Donc on met l'homme devant l'imam, les enfants, la tête des enfants au même niveau que la tête des hommes, ou à la tête de l'homme au même niveau que la tête des hommes. C'est-à-dire tous les hommes alignés, tous les hommes et enfants alignés l'un après l'autre, les têtes au même niveau de la tête. Et les femmes, elles viennent derrière, on commence par les grandes femmes, après les petites filles. Et la femme, on met son buste au niveau de la tête du dernier homme. Puis le buste des autres femmes, la tête des autres femmes au même niveau que la tête de cette femme-là. Vous entendez ? En direction de la Qibla. Et l'imam, il prie devant la tête, face à la tête de l'homme. Est-ce que c'est clair ? Si c'est une femme, il prie face à son buste directement. Ça, c'est, on a parlé du cas où ils sont réunis. Il y a plusieurs défunts. Il y a plusieurs défunts. Non. Comment il fait donc salat al-janaza ? Bien sûr, il faut les ablutions. Salat al-janaza, comme vous savez, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de sujoud. Pareil, parfois, ça arrive que dans la famille ou dans les amis, on a des gens, c'est des koufars, ils viennent à l'enterrement par respect pour le défunt. Il ne faut pas le mettre dans les rangs des musulmans, parce que ça coupe le rang. Un kafir, c'est pas accepté, c'est sa salat. Donc on lui dit gentiment de se mettre sur le côté. Il dit oui, mais je veux prier à ma manière. On lui dit t'es d'accord, mets-toi sur le côté, tu peux pas te mettre au milieu du rang. Mets-toi sur le côté ici. Hein, et voilà, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Non. Les femmes peuvent faire salat janaza. Les femmes participent à salat janaza, bien sûr, derrière les hommes, pas mélangées aux hommes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Pour les hommes et les femmes, oui. Par rapport à Ziyar, le fait, bon, comme on parle de salat al-janaza, on a dit tout à l'heure que normalement on ne devait pas prier dans les cimetières salat al-janaza. Donc si vraiment il faut le faire, comme on a dit, il y a une daroura, sinon personne ne va prier sur lui, cette personne elle va être enterrée comme ça, on le fait. Mais dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire que les femmes y aillent. Pas parce qu'on dit que c'est interdit aux femmes d'aller dans les cimetières. Si une femme elle tamliku nafsaha, elle peut se faire attention de ne pas crier, de ne pas pleurer, elle a le droit d'aller au cimetière car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait interdit au début puis il l'a autorisé. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit zawarat al qubur, celles qui font que ça, qui vont souvent visiter les cimetières. Si par contre elle de temps à autre une femme elle va visiter un cimetière musulman pour se rappeler l'akhira, l'au-delà, il n'y a pas de mal à condition qu'elle se préserve, qu'elle ne se mélange pas aux hommes, etc. Mais là, dans ce cas précis, comme salat al-janaza, comme déjà sur le fait que la femme aille au cimetière, il y a des paroles des ulama, et en plus que salat al-janaza dans un cimetière, encore il y a des paroles, donc ce n'est pas nécessaire. Si la salat al-janaza est dans le cimetière, ce n'est pas la peine que les femmes y aillent. Les hommes, ils font le kifaya, fardul kifaya. Si par contre c'est à la mosquée ou dans une moussalla, alors elles peuvent venir participer, inshallah, et il n'y a pas de mal à cela. Non. كذلك صلاة الجنازة elle se fait en jama'a, en groupe, avec un imam et les gens qui s'alignent derrière lui. من هو الأحق بالإمامة, qui est le plus en droit d'être imam? Premièrement, c'est le gouverneur, parce que هو السلطان, أو نائبه, celui qui le représente,
ou l'imam ratib, l'imam derrière qui il avait l'habitude de prier. C'est lui qui préside, parce que c'est son imam. S'il n'y a pas tout cela, أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. S'il n'y a pas tout cela, celui qui lit le plus le Coran et qui connaît l'ahkam al-salat. وَهَكَذَا. C'est comme pour l'imam. C'est pareil que pour l'imam. Non. Donc on a parlé de ça. Maintenant, comment se passe صِفَةُ صَلَاتِ الْجَنَازَةِ. La manière de faire la prière funéraire. Donc on se met debout face à la Qibla. Le défunt est entre l'imam, entre les prieurs et la Qibla. La tête du défunt face à l'imam si c'est un homme. Le buste de la femme si c'est une femme. Et on lève les mains comme pour Takbirat al-Ihram et on dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Comme on a dit, il n'y a pas de rukou, il n'y a pas de sujoud. Mais il est obligatoire d'avoir les grandes et les petites ablutions pour Salat al-Janaza, comme pour les autres salawat, cacher sa nudité, être en état de pureté, ne pas avoir d'impureté sur soi, etc. L'intention, niya, toutes ces conditions aussi sont nécessaires. Donc on dit Allahu Akbar, et on met la main droite sur la main gauche, sur la poitrine, comme pour Salat. Là, on récite à voix basse la Fatiha. On récite à voix basse la Fatiha. Et si on peut réciter une sourate ou quelques versets, il n'y a pas de mal. Cela a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis, on fait un deuxième takbir. Allahu Akbar. Et il est recommandé de lever les mains à ce moment-là. Cela a été rapporté par plusieurs compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith daif qui est faible sur cela, mais il peut être renforcé, inshallah, par les actes des sahaba qui l'ont fait. Ibn Omar et d'autres, lever les mains sur chaque takbir. Non. On lève les mains à chaque fois au niveau des épaules et on les remet sur la poitrine. Au deuxième, donc Allahu Akbar, le premier takbir, on fait la Fatiha et la Surah, si on a le temps. Deuxième takbir, on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Ibrahimiyya, comme on connaît, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme on salli, etc. Allahu Akbar, le troisième takbir, on fait la dua pour le défunt. Donc il y a plusieurs dua qui sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana, etc. Hein? On apprend tout cela, vous les trouvez dans les livres de hadith, vous les trouvez dans les livres Sahih al-Adhkar de Sheikh al-Albani, ou Hisn al-Muslim de Al-Qahtani, etc. Vous les trouvez toutes ces deux à dire, apprenez-les par cœur. Apprenez-les, c'est nécessaire. Si on ne connaît pas, au minimum on dit Allahumma ghfir lahu wa arhamhu. Allahumma pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Hein? Si c'est une femme, Allahumma ghfir laha warhamha. S'ils sont en groupe, Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ça c'est juste parce qu'il faut conjuguer. C'est pas, hein? Non. Si c'est un enfant? Si c'est un enfant, on y vient. Allah ybarak fi. Si c'est un enfant, il y a une autre dua spécifique à faire pour l'enfant. Il y a une dua que certains ulama ont rapporté. Ça n'a pas été rapporté dans des hadiths. Et ils ont dit, la ba'sa, il n'y a pas de mal qu'il énonce cela. Allahumma ja'alhu lana salafan wa farata, etc., etc. C'est-à-dire qu'on le demande qu'il soit un bon devanceur pour nous et qu'il témoigne, qu'il shafi'an li walidehi, etc. Et qu'il soit un intercesseur pour ses parents. Donc c'est cette dua que Cheikh Ibn Baz a rapportée ici dans son livre. Je vais vous la lire si vous voulez. Donc il a ramené ici Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran li walidayhi wa shafi'an mujaban Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa 'azzim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim alayhi salatu wassalam wa qihi bi rahmatika 'adab al-jahim. Donc Cheikh Ibn Baz a rapporté celle-ci et il y a d'autres versions qui sont rapportées de certains sahaba, comme Abu Huraira, qui ça a été rapporté, qui disait juste Allahumma a'idhu adab al-qabr. Allahumma a'idhu adab al-qabr. Naam. Et d'autres qui sont liés dans les livres de Adhkar que vous pouvez retrouver, apprenez-les. Elles ne sont pas très longues et ce sera utile quand vous faites les prières mortuaires, Inch'Allah, et funéraires. Donc on a dit la troisième takbira, on fait la dua pour le défunt. Et la quatrième takbira, on fait le taslim. Il est permis de faire plus de takbir. Si surtout c'est à quelqu'un
de valeur. Et à chaque takbir, on fait des doigts pour lui, en fait. À chaque takbir, on refait des doigts pour lui. Il est permis d'en faire 5. Hein, et ça a été rapporté jusqu'à 9 takbir. Il est permis. Donc, si vous voyez un jour une janaza, il y a plus de 4 takbir, vous posez pas de questions. Là, ben, il n'y a pas de mal. Mais le minimum, c'est 4. 4 takbir. Et après le 4e takbir, on dit rien, on dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Juste un taslim à droite. Certains ulama voient qu'il est permis de faire un deuxième. Hein, mais d'autres ne voient pas que ce hadith il est sahih. Donc, il reste sur un taslim du côté droit. Juste assalamu alaikum wa rahmatullah. Une fois. Une fois qu'on a fait cela, ça y est. Donc là, c'est quoi salatul janaza? C'est une dua pour le mort. Donc si on fait salatul janaza, après on fait dua. On a déjà fait dua. Pourquoi après on relève les mains, on fait dua? Donc faire dua en groupe après salatul janaza, c'est une bid'a. C'est pas rapporté dans la sunna du professeur Asim, ni sahaba. Wahum ahrasun nas ala dhalik. Attention, n'oubliez pas la règle. Al aslu fil ibadat, al tawakuf. Donc toujours comprenez cette règle-là. Si quelqu'un dit oui, mais il n'y a pas de mal, il fait dua. Il fait rien de mal. Il invoque Allah. Une fois, une personne a dit cela à Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, quand Saïd ibn al-Musayyib l'a vu après salat al-fajr, sunnah, après l'adhan de fajr, de faire plus que 2 rakat. Il faisait 4, 6. Il lui a dit, ne fais pas cela. Ce n'est pas la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il lui a dit, mais tu crois qu'Allah il va me châtier pour la prière? Moi, je prie, Allah il va me châtier. Il lui a dit, Allah il ne va pas te châtier pour la prière. Allah va te châtier parce que tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc souvent, les gens qui font des bid'ahs, ils disent, mais je fais rien de mal. Allah il va pas me châtier pour cela. Mais il ne voit pas que lui, c'est pas le fait qu'il fasse l'adoration. Allah Ta'ala pourra le châtier parce que khalafa amra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui invente dans cette religion ce qui n'en fait pas partie, c'est refusé. Et il a dit dans un autre hadith, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait un acte avant qu'on l'ordonne, celui qui fait un acte religieux, une adoration, avant qu'on lui ordonne, ce sera refusé. Donc la personne, quand il fait une bid'a, une innovation, même s'il a une bonne intention, il pourra être châtié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'adores pas Allah comme tu veux, ou comme tu penses, ou comme tu aimes. Mais tu adores Allah comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Sinon, ça veut dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Non. Mais cheikh, à 90% dans les pays du Maghreb, volontairement, ils font tous le doigt. Ouais, c'est ça. C'est malheureusement l'adat. Ghalabat l'adat. Les habitudes. Il faut savoir une chose. Plus les siècles se sont éloignés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun a rajouté une petite chose. Une autre petite. Au début, c'était des ijtihadats d'un faqih, une erreur, une autre erreur, une habitude. Après, il y a la soufia qui s'est installée. Après, les gens, ils voient ça comme un din. Ça veut dire, pour lui, il a vu tout le monde faire ça. Tu viens lui dire, ça n'existe pas. Il dit, oh, toi, tu sors d'où, tu m'as... tu sors d'un pays de koufar, tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est l'islam. Inch'Allah, on utilise le hikmah. Nous, au moins, on sait le hukm. Et on ne le fait pas, on ne le pratique pas. Et on l'explique à celui qui a une oreille pour écouter. Celui qui veut pas, laisse aller. Tu peux pas forcer quelqu'un de suivre la vérité. Hein? Nous, on peut juste expliquer, exposer la vérité, dire qu'est-ce que c'est la sunna. Après, c'est pas inna kala tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas pu guider son propre oncle. Son oncle. Il a dit, va enterrer le mouchrik. T'imagines? Son oncle qui l'a défendu, qui a été auprès de lui, qui l'aimait, il n'a pas pu le guider. Donc nous, on peut guider personne. Hein? Notre devoir à nous, comme Allah il a dit déjà au messager, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Le devoir, c'est juste une transmission claire, évidente. Nous, on lui transmet clairement, proprement, de la meilleure des manières, on lui expose. Tout est exposé clairement. Après, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَهْتَدِي وَمَنْ شَاءَ فَلْيَضِلْ. Tu ne peux pas faire autrement, ya akhi. On n'a pas les cœurs des gens dans nos mains. Walakin,
Naqif ma al-haq. On peut pas, nous, si tu connais la vérité et tu sais que c'est faux et tu fais avec eux, peut-être lui, il est excusé parce qu'il est ignorant. Personne lui a dit, mais toi, tu sais, comment tu vas le faire? Wadih? Non. Chez nous, on ne passe pas la janaza sans faire la fatiha. Il n'y a pas la fatiha, c'est valable. Là, salat al-janaza sans fatiha, elle est batila. Car c'est une salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que toute salat, qu'une salat dans laquelle il n'y a pas al-kitab, al-Qur'an qui est récité, fahia, qu'elle est caduque. Et donc, le janaza, ça fait partie de umum al-salat, de toutes les salawat. Et hada, c'est la parole de Jumhur Ahl al-Ilm. Non. Taïb, donc on a parlé de comment faire le takbir, comment faire la dua pendant le salat, pendant la salat al-janaza, et où est-ce que la personne elle se tient par rapport au défunt, quand il fait la salat. Est-ce que c'est clair pour vous? Taïb, on va finir juste quelques points, comment l'enterrer, et je vous pose des questions. Je vous laisse les questions. Et je vous pose des questions aussi, pourquoi pas. J'aurais juste une question. Fadal. Juste pour quand les morts, ceux qui vont, après ils sont rapatriés. Ils sont dans des cercueils. Oui. Alors normalement, oui. Quand on arrive là-bas, ils disent que non, il faut les laisser dans les cercueils. Oui, oui, c'est une bonne question. Normalement, en islam, on ne met pas les morts dans un cercueil. Voyez, on lui met le kafan et on l'enterre. Maintenant, la loi, elle t'oblige. Donc, tu le fais parce que la loi, elle l'oblige. Est-ce qu'arrivé dans le pays musulman, il faut enlever, casser le cercueil et l'enlever et l'enterrer ou non? Ceci, le problème de casser, l'enlever le cercueil, comme il a fait un long voyage, il se peut que le corps, il est tourné et qu'il y ait des odeurs. Et on ne veut pas, ça fait partie du respect du mort, de ne pas le montrer sous une mauvaise posture, sentir mauvais. En plus, les awam, les communs des gens, ils sont ignorants. Ah, ils sont mauvais, il est mort. Al-Souikhatima, après, ils parlent sur lui en mal. En bled, alors là, c'est les pros des histoires. Ah là, non, je l'ai vu, il y a une odeur, non, il y a des chayatines autour. Ils racontent que des fables, c'est les pros des fables. Donc, pour éviter toutes ces histoires autour du mort, pour préserver son honneur, on ne le fait pas, juste pour ça. Mais normalement, il ne devrait pas être enterré comme ça. C'est juste parce que, subhanallah, on ne fait pas la sunna. Normalement, la sunna, c'est ta'jil. On se dépêche de le laver, on se dépêche de lui mettre le kafan et de l'enterrer. Mais ici, il y a la loi, tu dois le laisser dans le frigo, tu dois faire je ne sais quoi, les papiers, le rapatriement. C'est un des méfaits de vivre justement dans un pays de kuffar, subhanallah. Donc, voilà. Je voulais aussi parler d'autre chose. Il m'a fait penser à une chose avant que j'oublie. Comment on enterre le mort? Il y a deux manières. Ou bien shaq, ou bien l'ahd. Les deux sont valables. L'ahd, c'est mieux. L'ahd, c'est mieux. C'est ce qui a été... L'ahd, c'est de faire sur le côté. De creuser, par exemple, en profondeur, puis sur le côté. Et on le met un peu sur le côté droit. Naam. En L, voilà. L'ahd, c'est en L. Et on respecte le côté Qibla ou pas? Voilà, c'est la sunna. C'est mieux de le mettre en direction de la Qibla, le visage vers la Qibla. C'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Naam. Pendant la salat de janaza, imam, est-ce qu'il a, il a fait le doua fort ou... Non, pendant la salat de janaza, est-ce que l'imam fait doua fort? Non, tout le monde fait la doua à voix basse. Tout le monde fait la doua à voix basse. Mais le fait de faire des doua au quatrième takbir, parce qu'il y a des gens qui disent au quatrième takbir, on fait des doua pour tous les musulmans. Est-ce que ça s'est rapporté ou pas? Ça n'a pas été spécialement rapporté cela. Wallahu a'lam, de dire, de spécifier... qu'au troisième on fait pour le défunt et au quatrième pour tous les musulmans. Mais dans certains madahib comme Shafi'iyya, ils disent cela. L'imam al-Nawawi, par exemple, il rapporte cela. Voilà, là, ben, c'est Inch'Allah, mais il n'y a pas un dalil sur ça. Wallahu a'lam. Et deux salats de janaza. Par exemple. Parce que des fois, ils le font ici. Ah, faire plusieurs salats de janaza sur une personne, il n'y a pas de mal si c'est d'autres personnes. Ah, oui, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui est décédée, ils ont fait janaza sur elle. Il a dit, pourquoi vous ne m'avez pas dit? Et lui, il a refait janaza sur elle. Donc, il n'y a pas de mal. Mais une même personne, elle ne refait pas deux fois janaza sur lui. Par contre, d'autres personnes, il n'y a pas de mal. Si moi, c'est une personne que j'aime bien, je n'ai pas fait sa janaza sur lui. Je peux la faire. Non, il n'y a pas de mal de faire plusieurs groupes. On peut
faut le faire sans la présence du miyad dans le temps d'après. Al-Ra'ib, non. Salat al-Ra'ib, on le fait que dans le cas où personne n'a prié sur lui. Salat al-Ra'ib, la prière sur l'absent. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait sur Najashi. Pourquoi? Parce que Najashi, il cachait son islam. Au Habasha. Il cachait son islam. Quand il est mort, ghalaba ala dhanni Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que personne ne savait qu'il était musulman, qu'il a prié sur lui. Donc, il a annoncé aux sahaba, Najashi est mort, istaghfirullah lahu, faites demander à Allah le pardon d'Allah pour lui, et ils ont fait salat ala al-ghaib, la prière sur, mortuaire sur l'absent. Donc, la prière sur l'absent, al-qawl sahih, elle se fait que sur la personne qu'on pense que personne n'a prié sur lui. Elle se fait pas, par exemple, sur les grands ulama ou sur comme les gens y font. Ça n'a pas été fait au temps des califes, ni au temps des sahaba, ni au temps des grands imams. Tel grand imam est mort, partout dans le monde, ils font salat al-ra'ib sur lui. Non. Seulement sur la personne, qui, on pense que personne n'a prié sur lui, on fait salat al-ra'ib. Par exemple, quelqu'un est mort en mer. On fait salat al-ra'ib. C'est-à-dire la personne dont on peut pas atteindre son corps et personne n'a prié sur lui. Vous voyez? On a fait des fois des salats al-ra'ib pour l'exemple, il y a un tremblement de terre dans tel ou tel pays. Voilà, ceux qui ont fait des salats al-ra'ib pour un tremblement de terre dans tel ou tel pays, si les gens du pays ils ont fait pour eux, normalement on n'a pas besoin de le faire. Parce que eux ils l'ont fait déjà, ils les ont enterrés, ils ont fait sur eux. Donc c'est pas comme des gens qui n'ont pas eu de salat. Sinon on s'en sort pas, on fait salat al-ra'ib tous les jours pour tout le monde. Ça c'est pas dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Non, tafadhal. Ah, bonne question. Si on arrive en retard à la salat janaza, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on arrive, ils en sont au troisième takbir. On arrive, on fait le premier, on rattrape rapidement ce qui n'a pas été fait, ce que nous on n'a pas eu, pour rejoindre l'imam où il en est. Voilà qu'on fait. Par exemple, eux ils en sont au troisième takbir, en train de faire dua pour le défunt. Moi je dis Allahu Akbar, je récite la Fatiha rapidement. Allahu Akbar, je fais salat al-Nabi. Allahu Akbar, je les rejoins dans la dua. C'est comme ça qu'on fait, inshallah. Non, Allahu Akbar. Comment ça? Le premier ou lequel? Le dernier ou le premier? Le takbir l'awwal, c'est le takbir atul ihram. S'il ne l'a pas fait, il n'y a pas de salat. Il n'est pas entré en salat. Il va faire les quatre. Hein? Tout à l'heure, tu disais quand même que voilà, il faut lever la main. Ouais, c'est sunnah, mais ce n'est pas obligatoire. Lever les mains, ce n'est pas obligatoire. C'est une sunnah. Mais s'il a fait le takbir, même en voix basse, c'est valable. C'est valable. Mais la sunnah, c'est qu'il fasse sa voix haute. Il faut que ça soit quatre takbir. 4 takbir minimum. Voilà. C'est le minimum pour une salat janaza, c'est 4 takbir. 4 takbir. Sans les 4 takbir, il n'y a pas de salat janaza. Il recommence. Non. Wallahu a'lam. Oui. Si on a raté la salat janaza d'une personne, par exemple, elle a été décédée au pays, on a raté sa salat janaza. En partant dans ce pays, j'ai le droit de faire sa salat janaza tout seul parce que je l'avais raté. Oui, oui, tu peux la faire. Ça, c'est le cas justement. Le frère demande si j'ai raté la salat janaza sur une personne au pays. J'y suis allé pour la faire, je suis arrivé en retard, ils viennent de la finir. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui, tu peux le faire sur sa tombe. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait justement. Tu peux faire salat janaza sur sa tombe, directement. En direction de la Qibla. Hein? Non. Mais minimum combien de personnes? Non, même une personne. Salat janaza, ça peut se faire à une, même si on n'est pas en groupe. Non. Oui. Le fait de prier dans les funérailles. Le fait de prier dans le funérarium. Si le funérarium, il n'est pas dans le cimetière, donc ça ne prend pas le hukm du cimetière. Mais s'il est... Wallahi, Allah musta'an. Je ne sais pas, akhi, Wallahi, je ne sais pas. Allah musta'an. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, on peut, si on ne prie pas ni dans les funérariums, ni dans les cimetières, on ne va plus prier sur les musulmans. C'est ça le problème. Wallahi, c'est ça en fait, quand on vit dans un pays comme ça, il y a toujours des masa'il qui n'existent pas dans nos pays. Oui, après je viens. Concernant l'enterrement, il y a un hadith qui dit la personne là où il est mort, il vaut mieux l'enterrer là où il est mort. Après, dans notre communauté, souvent on les emmène au bled. Oui, alors, il demande la question, est-ce qu'il est mieux d'enterrer la personne là où il meurt ou bien de l'envoyer au pays? Si on était en garantie ici qu'il est enterré dans un cimetière musulman, et qui va pas, c'est pas une concession à payer, au bout de 20 ans, il t'enlève ses os, il le met avec les koufars. On l'enterre ici. Par contre, si on sait pas, et c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas de cimetière musulman, il n'y a que des carrés musulmans,
Et un carré musulman, c'est pas un cimetière musulman. Un cimetière, comme on a dit, il doit être, pour être considéré comme un cimetière musulman, il faut, comme ils disent les ulama, qu'il soit entouré de murs et d'une porte à lui spécifique. Donc, dans ce cas, vaut mieux être enterré au bled. Wallahu a'lam. En France, est-ce qu'il a un vide spécifique? Il y a deux, trois. Il y a le cimetière de Bobigny, je crois. Il n'y en a aucun qui fait les concessions obligées de payer pour les paris. Voilà. Il y a un problème, le problème des cimetières, ici, c'est que tu payes sur 10 ans, sur 20 ans. Si demain, il n'y a personne pour payer pour toi, Allahu a'lam. Elle mouhim, s'il n'y a pas d'autre choix, quelqu'un, on l'enterre ici. Mais vaut mieux qu'on soit enterré dans un pays musulman, il y a plus de garanties. Regarde, c'est quoi la question, parce que je n'ai pas le temps de lire et de répondre aux frères. C'est en arabe. Tiens. Oui. Même dans un pays musulman, le cimetière, il devait être avec une porte. Non. Ça, en fait, la porte et le mur, c'est pour reconnaître les délimitations d'un cimetière. Si aujourd'hui, par exemple, dans un même cimetière, il y a des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens, et on a fait des carrés pour chacun. On ne peut pas considérer que le carré musulman est un cimetière musulman tant qu'il n'est pas séparé des autres par un port, par des murs et une porte. C'est ça que j'explique. Après, dans le pays, qu'il soit dehors ou encadré ou non, ça peu importe. Il n'y a que des musulmans qui sont enterrés, alhamdoulilah. Non, fadbal. Donc, si c'est permis à quelqu'un de converti de payer, par exemple, ses parents défunts, qui ne sont pas musulmans, parce qu'il y a la concession. Voilà, si son père ou sa mère, si je meurs, je compte sur toi pour payer pour moi et pour ton grand-père. Le frère demande, est-ce qu'il est permis de payer la concession pour ses parents défunts non musulmans? On a dit tout à l'heure que s'il n'y a personne pour enterrer un musulman, il est un kafir, il est obligé de l'enterrer. Donc si c'est un moyen de le laisser enterrer, ça c'est la suite, oui, il paye. Il ne fait pas rien à part le garder enterré. Il ne paye pas pour une adoration ni pour un rite. Donc ça, il paye pour le garder enterré. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Non. Est-il permis? Bah, c'est la même question. Non. Un frère veut savoir s'il il a un crédit et qu'il est en... Est-ce qu'on fait ça à la janaza sur... Ah oui, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on fait salat janaza sur les gens qui ont des grands péchés? Est-ce qu'on fait salat janaza sur quelqu'un qui s'est suicidé? Est-ce qu'on fait salat janaza pour quelqu'un, sur quelqu'un qui a une dette, que ce soit dans le halal ou dans le haram? Toutes ces questions-là, oui, tant que c'est un musulman, on fait salat janaza sur lui. Mais, ahlul ilm, les gens de science, ahlul fadl, yatahashawn, ils délaissent la salat janaza sur ces gens. Pourquoi? Ta'adduban, pour éduquer les gens qui sont dans le même cas que lui parmi les vivants. Que si toi, demain, tu meurs comme ça dans le péché, ben les gens de l'khayr et les gens de l'ilm, ils ne feront pas dua pour toi, ils ne feront pas salat pour toi. Mais le faire, il n'y a pas de mal. Quelqu'un qui s'est suicidé, ce n'est pas un kafir. Sauf s'il rend ça halal. C'est-à-dire le suicide, ça ne rend pas quelqu'un kafir. C'est un grand péché, c'est grave. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne l'enterre pas avec les musulmans, qu'on ne prie pas sur lui. Quelqu'un qui est mort sous, un musulman qui est mort, il faisait riba, un musulman qui est mort dans la fornication, un musulman qui est mort, el-muhim, dans, je sais pas, il était en train de faire un braquage, el-muhim, c'est des péchés, il est permis, il faut prier sur lui, c'est une fard kifaya, que les musulmans ils prient sur lui tant qu'il est musulman, mais ahl al-fadl, les gens de l'ilm, les gens de science, les gens de khair, ils délaissent la salat sur lui, ils n'y vont pas. Ça, c'est pour donner une leçon aux vivants. Naam. Wallahu a'lam. Tu dis pour les non-musulmans, normalement, on ne doit pas assister à l'enterrement. Oui. Disons, si mes parents ou les frères et les sœurs ils décèdent, il y a quelqu'un pour s'en occuper, soit les autres sœurs ou les frères et sœurs ou les parents pour les enfants. On les laisse s'en occuper et on ne s'en occupe pas. Justement, c'est une cause de faire la da'wa. Wallahi, je connais beaucoup de reconvertis qui malheureusement, ils n'ont jamais eu le courage. Si on aime vraiment les gens de notre famille, on veut leur bien, il faut leur faire comprendre c'est quoi l'enfer. Il faut leur faire comprendre quand ils vont mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se désavoue d'eux. Et justement, ça c'est la meilleure manière de leur faire comprendre que maintenant, moi dans cette vie, j'avais des relations avec vous, mais quand vous mourrez, si vous mourrez à l'al-kufr, je me désavoue de vous. Et au Qiyam, le jour du jugement dernier, quand... il y aura les gens au paradis et en enfer, je me désavouerai de vous. C'est le moyen de leur expliquer. C'est le moment justement de leur montrer la gravité de la chose.
Donc, et il ne faut pas attendre justement ce moment-là. Il faut avant avoir fait... Enfin, souvent, il y a des gens, ils ont des relations avec leur famille non musulmane, mais ils n'osent pas parler de cette chose-là. Ah, bah, tant qu'ils tolèrent mon islam, je ne dis rien. Non, tu as un devoir, Akhi. Tu as un devoir de l'appeler à l'islam. Tu as un devoir de lui montrer c'est quoi la vérité. Même si pour ça, il faut qu'il te frappe ou il t'insulte, c'est pas grave. Vas-y avec sagesse, mais montre-leur, ne te tais pas. S'il meurt sur la mécréance, est-ce que Yom Al-Qiyama, tu n'as pas une responsabilité devant Allah de ne pas les avoir appelés à l'islam? C'est ça. Et je me rappelle, comme vous savez, moi je suis un reconverti, j'avais un grand-père qui venait, qui habitait en Syrie, qui est venu se faire soigner ici d'un cancer, très conservateur chrétien. Et j'avais jamais eu l'occasion de parler avec lui, parce qu'il était en Syrie, il venait pas, j'allais pas, à l'époque c'était l'armée, je pouvais pas aller faire l'armée là-bas. El Mouhim, il est venu se faire soigner ici, j'ai attendu le moment où il y a personne de la famille. Et j'ai été le voir, je lui ai dit tout ce que je pouvais lui dire. Je lui ai conjuré, je dis, d'entrer en islam avant de mourir. J'ai fait mon maximum. Mais il est mort kafir. Au moins, alhamdoulilah, devant Allah, j'ai été faire ma mission. Mais si je lui avais pas parlé, wallah, j'aurais pas été tranquille. Na'am. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbi zidni ilma.